d'ailleurs, il se passe un truc bizarre là. Ouais, c'est quoi ce modèle? Modèle X! Tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau! C'est la première fois qu'on fait ça. Mais il y a des demandes de devis qui arrivent. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Pas autant que ça. Ça, ça coûte 40 000. Ça, ça coûte 120 000. Donc voilà, il y en a quand même moins sur le marché. Voiture exceptionnelle quand même. Ouais, ouais, la présentation de finale, on va passer un peu de temps à l'intérieur. C'est très beau. T'es tellement perturbé que t'en as pas salué tes cocos. Ah! Salut les cocos! Ouais, mes cocos, merci, merci encore de nous suivre à fond les caisses. Beaucoup d'abonnements sur YouTube, c'est cool. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous suit même pas sur YouTube, lui. C'est faux. Jamais sur YouTube. Oh ah, ça veut dire que tu confirmes que t'es pas abonné sur YouTube? Il a un abonnement premium à YouPorn, mais il a pas un abonnement premium à... Normal. À YouTube. Je peux pas me branler sur tes vidéos. C'est vrai, il a raison. C'est gênant. Bon, allez, c'est parti. On est sur un MacTac. Très mat. Jolie couleur. Je pense que ça va être très beau, ça. Ouais, en même temps, à chaque fois, je dis que c'est très beau. C'est comme si un pâtissier disait, je vous présente ce plat-là, c'est très dégueulasse. Bah non, ça ne fait pas. T'es prêt? Remonte tes manches, allez en apport. Allez, c'est parti! Avec un artiste, ça serait qui? Jason Momoa. Non mais... Bah quoi? Jason Momoa. 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 Tu sais qui c'est? Oui, tu me l'as déjà fait voir, le cul à l'air tout le temps. Oui. Il pêche, il est torse nu, il a un petit paréo comme ça. Et quand il y a un petit coup de vent, hop, tu vois ses fesses musclées. Et toi du coup? Ah ouais, non, ouais. Bah c'est Tina Louis. Père allemand, mère australienne. Oui, mais bon, elle est chimique quand même. Ah! Donc on sait pas. Non, elle est pas chimique, elle a un super regard. D'où elle est chimique? C'est les tatouages d'elle qui font chimique? Non, non, c'est son visage. Non! Elle est méga nature! Quoi. Elle est sublime. Du coup, regardez ici, je vous mets Jason Momoa, ouais. Tina Louise. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bah attends, c'est des cocos mâles que j'ai. Hein. Oui, ils vont forcément préférer Tina Louise. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Il y a des cocottes aussi, tu sais pas. Et y a... Les cocottes, manifestez-vous dans les commentaires, montrez que vous êtes là, imposez-vous. Et y a des cocos, cocottes. Bah oui. Aussi. Bah, Alice, c'est une cocotte, elle va choisir. Non, non. Bah si. Oui. Bah voilà. C'est vrai. Alice, c'est vrai. Tu peux choisir, tu me diras ce que tu veux. Oh, Tina voilà. Chimique. Rappelez-vous de suite, chimique. Non, mais t'es où? Bistouri, elle a les tétés refaits, ah les bon facettes. Bah, ça veut dire que si elle a une facette mais qui toutes tombe. Toutes les Américaines ont des facettes. Si elle a une petite facette qui tombe, elle a une petite dent pointue comme un piranha. Alors que Jason Momoa, ce n'est que du naturel. Non, mais arrête. Ce n'est que du naturel. Le mec, il se pique 12 fois par jour pour avoir des muscles comme ça. Mais c'est clair, ici, t'es pas prêt d'en trouver un Momoa comme ça. Alex. Si tu veux choisir une artiste pour faire des galipettes, tu pourrais. Des galipettes. Oh. Je vais réfléchir. Attends, plus vers moi. Oh là là. Momoa, il t'a retourné le cerveau. Elle en perd tous ses moyens, elle. Ça va pas vous faire rêver, mais il y a une seule personne qui m'a toujours fait kiffer. Oh, si tu dis Jordan. Ah bah d'accord, si tu dis Jordan, ça veut dire il vous fait pas rêver, mon Jordan, c'est ça? On fait une gifle. Pas que Jordan ne soit pas un artiste, mais... Rattrape-toi, Eve, rattrape-toi. Non, et eh ben, je vous dis, il n'y a rien de transcendant. Si, mais... Si. Non, pas. Je vous rappelle qu'on a 40 ans d'écart. Ça fait mal, ça. Non, moi, c'est Bradley Cooper. Ah! Ah! Priorité au direct! Alexandra Daddario. Ah bah je sais pas non plus c'est qui. On vous met sa photo ici également. Alexandra Daddario. Ok, bon, qu'est-ce que vous pensez d'Alexandra Daddario? Vous savez c'est qui Alexandra Daddario? C'est quoi t'as dit? Une meuf qui fait une pub pour faire héros aussi. Non mais. Bon, mets-en ta petite Nalbis et tu montres. Ah, je suis pas super fan. C'est son truc.
tapes Tina Louise. Alors c'est bizarre, quand je tape Tina Louise sur Google, ça me sort un truc, laisse tomber. Ah, il est où ton Instagram là-dessus, toi? Ah, il est à côté de Tinder. Il cherche des problèmes, je crois que... Tu me rappelleras d'envoyer le lien de la vidéo à ta femme. Non, c'est mon lien Tinder. Tinder. Ah, voilà, elle est là. Oh. Respecte. Oh. Non, mais calme-toi. Oh là là. Oh. Oh. Il m'a mordu. Ah, non, c'est pas Tina, ça. Ah non, c'est pas Tina. Un peu de chirurgie, quand même. Non, léger. Faut que je spray. Au moins, elle a souri tout le temps. Et on peut voir Momo, moi. Il fait très Moundir. Moundir, c'est Jason Momoa, Wish. Et moi, bah, du coup, j'ouvre le placard là-bas. Je vois des chips sous blister. Je lui donne et je lui dis tiens, vas-y, mange, tu vois. Mais ça, c'était périmé, j'avais pas vu. Deux ans qu'il était périmé. C'était quoi le mot que t'as dit? Je sais pas, on parlait de quoi, j'ai oublié. On vient de surprendre un monsieur. Le monsieur était en train gentiment de se masturber. On l'a dérangé, je pense. Eve était toute wouh. Donc voilà, super modèle XXX de chez Tesla. Première fois qu'on l'a fait, on l'a surkiffé. Déjà, l'adhésif était très sympa. Un peu plus de démontage que les autres. Mais par contre, attention la classe de la caisse. C'est un autre délire. Alors déjà, je deviens de plus en plus fan des Tesla. Alors de celle-là, bouche bée. Et prochainement, là, attention, on a la voiture la plus rapide du monde, quasiment la plus rapide du monde, modèle S Plaid. Eh ouais, on y va, on continue dans la Tesla. On aime ça, on adore, je vous fais le tour du véhicule. On a complètement modifié la gueule de la calandre. On est parti d'ici, et en fait, on a suivi cette courbe, on a tout passé en noir gloss. Pourquoi noir gloss? Parce qu'en fait, le déchromage d'origine est noir gloss, contrairement à tous les modèles 3, modèle Y, c'est du noir satin. Beautiful. On a assombri ici tout le blanc qu'il y a en bas. Ça lui fait un regard de fifou dingue. Full céramique. On vient juste de la faire la céramique. Elle n'a même pas une heure. On a passé tout le brancard en noir brillant. Rétro noir brillant. Regardez ce beautiful booty. C'est superbe. Franchement, cette caisse est dingue. On a teinté les feux à l'arrière. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme un fifou dingue, j'ai fait les lettres en couleur du covering. Petite particularité sur ce véhicule-là. Cette partie-là, bien coton, parce qu'en fait, lui, on n'a pas trouvé. Donc, si il y en a qui veulent nous aiguiller sur le délire, on n'a pas trouvé comment l'enlever. Donc, assez compliqué. Donc, on a fait avec. Et franchement, c'est très, très bien débrouillé. Donc, voilà
c'est pareil, on retrouve toujours la continuité de la lunette en fait, et on vient en noir au-dessus. Et puis voilà, on a fait le tour de ce véhicule-là. Je tenais vraiment à vous faire voir quelque chose d'assez exceptionnel. Alors moi, je découvrais complètement le véhicule. Superbe, c'est grandiose. C'est un peu la classe, là. Et là, tu t'assois et c'est un 6 places. Donc deux places juste derrière. Et deux places, alors il faut avoir des petites gibbles quand même derrière, mais c'est pas mal du tout. Hein. Petit écran des familles juste ici pour contrôler tout le véhicule quand on est derrière. Siège chauffant, aération. Et on a aussi accès à Netflix, Disney+, etc. La classe. Qu'est-ce que tu dois être bien. Et donc, voilà. Et l'intérieur est quand même vraiment très très beau avec ce volant ouf de chez Tesla. Ce qui est super impressionnant quand on est dans le véhicule, c'est cette amplitude de pare-brise, c'est gigantesque. Il y a une visibilité qui est complètement dingue. J'aime bien la config, je l'aurais pas choisi pour moi, mais je trouve que ça lui va très bien. Moi, je suis pas trop bois dans les voitures. Le bois, pour moi, c'est forêt. En plus, là, à mon avis, c'est pas du vrai bois. Hein. Mais les couleurs matchent bien, ça fait très précieux. Ah, mais je vais vous faire voir le coffre. Allez. Évidemment, il y a les deux sièges là. Comment ils se rabattent, ceux-là, Eve ? Jo vient à la rescousse. Ya ! Voilà. Ouais, quand même, on récupère un coffre super balèze. Il y a encore en dessous du rangement. Ouais. Et Eve, elle me dit que quand il y a des enfants qui disputent, les enfants ne se disputent pas. Ils doivent vivre cordialement, ensemble, dans l'amour. Sur les trajets des vacances, en plein mois de août. Et bah tout leur claque la gueule. Pour revenir après, c'est électrique. Ah ouais, d'accord, c'est dommage. Un petit bouton. Ah ouais. Pas mal. Le mec, il trouve pas le bouton. Ah. Je trouve pas de bouton. Oui. Tu l'as entendu le bouton, vas-y. Non mais. Vas-y. J'y arrive pas. Oh là là. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non mais regarde, tu te fous de moi. De ce côté-là, David, regarde. Oh le petit bouton, il est là. C'est beau, franchement, monsieur Tesla, là, chapeau. Ah ouais, bah tiens, toi, grande gibble, Eve, la sop. Oui, ok, mais le mec, là, il peut pas s'asseoir. Oui, mais s'asseoir après. Tout est modulable. Ah, bon, YouTube pour voir les cocos. Eh, franchement, faites sonner les clochettes là. En fait, vous actionnez pas les clochettes. Ou alors, vous regardez les épisodes, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous, ça sera gentil. Twiki ! Rien à dire. Franchement, je veux ça. Non. Cotisez-vous ! Faites une cagnotte Litchi pour David le Coco. Moi, je veux ça. Franchement. J'arrive à avoir une cagnotte Litchi pour me payer ça. Qu'est-ce que je fais comme dinguerie? Je pense que je ferai un très beau verre, avec un bel intérieur. Un verre anglais. Et toi, tu m'as dit, hein, tu aimerais bien faire kaki. Ouais, kaki métallisé. Ok, d'accord. Un kaki rigolo. Un kaki rigolo. Ça n'a jamais été rigolo, un kaki. On est très content d'avoir fait ce véhicule-là, vraiment. Et très agréable à faire. Je leur dis parce qu'en fait, les gens ne doivent pas t'entendre. On a un deuxième micro, hein. Si tu veux vraiment parler, il faut mettre le micro. Elle me fait ça. Elle fait grand dedans. Elle est mignonne. Petite brouillette. Donc voilà, merci encore vraiment infiniment les cocos de nous suivre, de nous regarder, de nous féliciter. Je reçois énormément de coups de fil en ce moment. Les personnes qui regardent les vidéos, ils trouvent ça super. On les fait rire, on s'amuse, ils aiment notre vibe. C'est super, on vit quelque chose d'extraordinaire avec vous. Merci beaucoup les cocos. Je vous fais un joli cutter avec ce beau véhicule. Cutter. Ouh, il était beau celui-là.